plus dans cette catégorie, ils plaquent mais ils ont du mal à avancer, faire tomber dessus par exemple. Enfin, ils vont attraper, ils vont plaquer, ça va être difficile fait, c'est pas... Nous, ça commence beaucoup, à rentrer. Nous on insister, on insiste tous ensemble sur l'attraper. Ouais. Pour bien plaquer, il faut savoir attraper dans des bonnes conditions. Je pense que le cadrage va leur faire du bien parce que c'est justement là, c'est qu'ils ont du mal parce que peut-être qu'ils cadrent pas bien, parce qu'avec la vitesse et la différence dans le jeu, parce que quand on fait du 1 contre 1 proche, ils y arrivent. Et dès qu'il y a un peu de vitesse, après c'est plus compliqué de mettre la fréquence. Bon, tout ce travail-là d'attraper, voilà, c'est exactement ça le thème. Il va falloir que je passe sur de la fréquence. D'accord ? Et l'art du cadrage, c'est ça. Et mon objectif final, c'est de toujours finir avec mon appui entre les siens, ou tout du moins le plus près des siens. On imagine qu'on a un rayon entre nous là de 3 mètres, un cercle de 3 mètres, donc sortez de mon cercle. Le but du jeu, c'est d'avoir les mains devant. Donc moi, mon objectif pour moi, c'est d'essayer de te marcher sur le panard. Top ! Allez, on y va ! On essaie de marcher sur le pied, allez, allez, l'autre il s'échappe. Les mains devant les garçons ! Les mains devant. Allez. Tiens, 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 tiens. Tu coinces tes mains dans les trous et hop, tu les passes comme ça et tu l'as devant. Tu restes en garde. Allez. Mettez votre buste en avant. C'est-à-dire, je suis comme ça, j'ai les mains devant moi. Je suis en garde de boxeur et j'essaye. Hop, j'engage mon épaule et mon pied. C'est parti. Allez, allez, les gars, allez, allez, bougez, bougez, il fait froid, allez. Ouais, allez, allez. Là, un peu plus fort, je vais essayer de te repousser un peu et droit. Le but, c'est qu'il ne s'échappe pas de mes bras. D'accord ? S'il s'échappe de mes bras, que je ouvre la porte de saloon, perdu. Ah, tu es seul, vous tournez à 3. Il est où ? Allez. Ne partez pas trop loin. Dès qu'il a pris un côté, je vais le chercher, je vais le chercher. J'essaye de mettre le pied sur la ligne. J'essaye de... Non, non, laisse-le venir. Tu peux pas prendre la décision tant qu'il n'a pas décidé d'un côté. Vas-y. Pas mal. Ouais, bien. Ok. Bien, ça, pas mal. Garde-le sur ton bras extérieur. C'est celui-là, là. Ouais. Tu le ramènes au milieu, là, et tu le repousses au milieu. D'accord ? Le bras extérieur ferme et ramène-le au milieu. Hop, ramène-le dans l'axe et repousse, et repousse, et repousse. Garçon, essaye de garder le dos plat quand vous êtes au contact. Et quand je suis là, après, ce bras-là, là, ma porte de saloon, ça devient... infranchissable. Je le ramène fort et après j'essaie de le repousser ou en tous les cas j'essaie de lui mettre de la pression. Ce qu'on travaille ce soir, c'est on tue l'espace qui est entre les mains. D'accord, on réduit au maximum cet espace en montant fort et après en passant en fréquence. Et pour objectif, le plus important des objectifs, c'est de venir placer son appui là. Quand vous avez un arc, vous tirez dessus, l'arc il se raccourcit. Et bien l'arc c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait ça c'est l'arc et ça là, son buste c'est la flèche. Vas-y, tends l'arc. Et pousse, voilà. Top. Ok, allez, allez, doucement. Allez, attentif, super. Donc, pour toi, rester dans l'épaulement intérieur, ça veut dire avoir pour repère que tu ne dois pas dépasser ma hanche et mon épaule intérieure. Vas-y, viens, avance. Pourquoi ? Parce que là, vas-y, mets ton appui fort, pam, là, tu peux m'attraper. Et moi, tu m'obliges à venir jouer où ? Moi, quand je viens là, tu m'obliges à venir jouer ici. D'accord ? Alors que si tu restes face à moi, mets-toi pile poil face à moi, je peux t'attaquer ici ou là. On est d'accord ? Ouais. Donc là, il va falloir vraiment faire l'effort de rester à l'intérieur. Par contre, tu es responsable de cet espace. Okay, ouais. Top ! Allez, allez, top ! Ouf ! Ah. Ok, allez, on y va. Oh, Enzo ! Enzo ! Ouais. Allez, 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 allez. Allez, on marque le sien, on est attentif. Allez, go. Bouge, 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 bouge. Jaune. Donne le ballon. Jaune. Va le chercher, va le chercher. Stop. Ballon milieu, on se fait des passes, on change les partenaires. Prêt. Jaune. Va chercher, va chercher, va chercher. Tu l'attends trop. On garde les mêmes principes. On y va tranquille pour le moment, c'est parti, allez. Allez, 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 allez. N'oublie pas d'aller chercher. Très, très, très vite, va le chercher, va le chercher, va le chercher. Allez, mange le terrain, mange le terrain, mange le terrain. Ouais, bien ça, pas mal. Allez,
Ouais, bien. Ouais, ouais, c'est pas grave, c'est pas grave. Allez, on va chercher. Ouais, bien, bien. Suivant, suivant, suivant. Allez, attentif, attentif, attentif. Ouais, bien. Va chercher, va chercher, va chercher, va chercher. Ouais, super ça. Ouais, bien ça. Bien. Bon, il est attrapé dans de bonnes conditions. Ouais, ça. Voilà. Loin, loin, on va le chercher, va le chercher. Ouais, bien, bien. Bleu. Reste là. 3. Bleu, 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 bleu. Allez, libère, libère. Montez, jaune, montez, montez. Joue, touché. Maxi, Maxi, Maxi. C'est pas une percu, passe à côté, garçon. Si. Hein, bien ça, une main. Allez, 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 je. Maintenant. Ligne, ligne. Regarde, regarde. Attends, ne monte pas encore tant que c'est... Voilà, maintenant tu montes. Allez, monte, monte, monte. Pourquoi tu montes pas plus? Va le chercher. Là, t'es emmerdé. Voilà, on va le toucher. En bas, en bas. En bas, en bas. Oh, 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 regarde en face, regarde en face. Allez, monte, 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 monte. Attends, reste derrière, reste derrière. Bien, bien, bien. Allez, monte, monte. Ouais, bien. Bien. Reste intérieur, reste intérieur. Bien, bien, bien. Remets en jeu. Allez. Il faut serrer, les gars. Va le chercher très haut. Va le chercher quand tu veux. Va le chercher. Ouais, bien, bien. Remets en jeu, remets en jeu. Je. Ouais. Je. Allez, va le chercher. Allez, repousse, repousse, remets, redonne le ballon bleu, redonne le ballon. Allez, je. Stop. On rapproche. Attends, attends, à genoux. À genoux. Tu ne bouges que lorsque le plaquage est fini. Recule. Quitte en face. Cadré, cadré. Prêt. Allez, go. Allez. Ne bougez pas de genoux. Allez, je maintenant, je. Touché en bas. On recule, on va marquer jusqu'à l'embute là-bas. Jusqu'à l'embute, on marque. Bien le plaquage. Très bien. C'est bon, montez. Montez, mange le terrain, mange le terrain. Et qui derrière? Qui dans l'axe? Dans l'axe, dans l'axe. Allez, 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 allez. Redonne. Montez, monte, 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 monte. Monte. Ok. Ok les garçons. Ouais. Mais très bien. Pas eu trop froid. C'est bon. Allez. Merci, je crois que vous avez du matos à ranger. Ça, on a les jeunes promus de cette année en Fédéral 3. Bon, l'historique, c'est un club qui a un peu plus de 100 ans, avec une superbe école de rugby, à peu près 400 licences cette année. Et on a un département dans le club qui s'appelle donc une commission emploi et formation, où on prend en compte les ressources du club, que ce soit des jeunes ou des moins jeunes, pour la reconversion ou les aides à des stages ou à de la formation. Et on a un réseau de...
de partenaires qui nous permettent d'avoir des emplois au club. Mais pour nous, c'est un honneur de pouvoir avoir eu la chance de signer une convention avec Provence Rugby, qui est le club élite de la région et qu'on souhaite revoir dans les plus hautes sphères du rugby national. Pour nous, cette convention apporte beaucoup au club parce que nos jeunes ont besoin de s'identifier à un club. Et ce club-là, aujourd'hui, dans la région, ben, si on parle d'élite, on parle de Provence Rugby, on parle même pas du RCT ou quoi que ce soit pour nous. Et l'avantage que l'on a avec ce genre de convention, c'est qu'on peut permettre à nos jeunes d'accéder peut-être à des plateaux techniques plus rapidement et les suivre une évolution au sein de Provence Rugby. Et aussi, de notre côté, aussi de pouvoir présenter à des ressources qui n'ont pas malheureusement le niveau pour aller plus haut ou qui veulent s'investir dans notre club par notre commission emploi et formation. Provence Rugby est venu pour intervenir sur le cadrage défensif. C'est intéressant parce que j'ai des joueurs qui ont des difficultés pour monter très vite ensemble. Monter très vite seul déjà et ensuite ensemble et ensuite plaquer, bien avoir les attitudes au niveau de la jambe d'appui forte qu'ils ont bien travaillé aujourd'hui dessus. Je trouvais quand même qu'ils étaient très concentrés jusque sur toute la séance, à l'écoute, parce qu'ils étaient intéressés, des nouveaux interlocuteurs, donc ça les intéresse de suite. Mais je pense qu'on va développer ça vendredi prochain et là on va rebondir dessus pour faire vraiment du jeu total et voir si ils ont vraiment évolué là-dessus. Le club du Sursorg est un club très formateur. Il paraissait naturel de simplement, avec le seul club pro et ambitieux de la région qui est Provence Rugby, qui nous espérons va remonter rapidement pour les deux, de mettre officiellement cette convention en place afin d'avoir des échanges suivis sur nos gamins.